Hey, 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 cucu mes petits queues, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiéval. Et je viens d'installer le petit monastère pétérien qui nécessite bien sûr un nouveau Sims. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner et créer un nouveau Sims. On a le choix entre Héribert, Debreban ou Laurie, Devereux. Ah, mais elle, on l'avait déjà, non? Mais je vais en créer un nouveau, on va s'amuser. J'ai envie que ce soit un garçon. Ça fait longtemps, voilà, ça en fait une équité. Pour l'autre religion, ce sera une femme. Alors par contre, je déteste toujours autant faire des Sims. Ça change rien? Moi je pensais changer, attendez. Expression du visage. On peut pas faire les dés. C'est chiant, mon dieu, que c'est chiant. On peut pas changer de monsieur. Ça change que les noms, en fait. D'accord. Modificateur d'âge, oui, bah non, mais... On va le faire un peu. Il est pas mal, celui-là, quand même. J'ai envie de dire. Evrout Ormond. Gérald d'Amberlin. Radouin d'Everdelay. Henri Moyau. Wilfried Ladenlong. Ladenlong. Orneval Benuche. Ben, je sais pas, hein. On va essayer de faire un Sims à peu près potable. Non, c'est ici. Hop. Déjà, j'aime pas ses joues. Donc, je sais pas. Je vais essayer de faire au mieux. Et je vous retrouve après, évidemment. Pour notre prêtre pétérien qui est plutôt pas mal comme mec, hein. Alors, par contre, je sais pas du tout. Voilà, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme nom? J'en ai aucune idée. Et dans Game of Thrones, les prêtres sont des prêtres, soit des prêtres rouges comme Beric et Dondarrion. Entre autres, c'est pas Beric, c'est... Je suis en train de lire les livres, donc je devrais mieux savoir que quiconque. C'est Lord Beric, ici, c'est lui. Ou Tauros de Myr. Donc c'est soit Tauros, soit Beric. Alors, on va l'appeler... Parce que j'aime bien. Allez, on va l'appeler Beric Dondarrion. Voilà. Qui est donc un... Normalement, si je me trompe pas... Frère de la lumière de Rlor, un prêtre. Et il est plutôt pas mal, hein. Bon, là, comme ça, il est plutôt pas mal. À voir si en jeu, il est toujours aussi beau gosse. Mais en tout cas, ça nous fera des nouvelles aventures. Et c'est pour ça que je continue à créer des personnages. Bien sûr, quand on n'aura plus du tout de quêtes, eh ben, je sais pas ce que je ferai des Sims médiévales. De toute façon, il y a plein de petits cercles encore à faire, à conquérir. Donc, faut vraiment que je me renseigne sur ce que ça fait. Parce que j'avais recommencé toute la... tous les personnages, tout ça, et ça m'a pas vraiment non plus. J'ai pas trop aimé la façon de recommencer toutes les missions, en fait, avec seulement des nouveaux personnages. Voilà. Bienvenue à Beric, le beau gosse, et on va donc prendre très très... Ah, alors, si Beric, on va le faire... parce qu'il est pas du tout de faible constitution. On peut dire que c'est un joueur... compulsif ou les maudits. Ah, parce que... Ou alors il est sanguinaire, mais je mets toujours la même chose en fait. On va dire qu'il est maudit. Et
Il est aventureux, avide. Il est avide, ça, c'est sûr. Parce que je sais pas si vous savez que Beric Dondarrion, il est avec. En fait, il est la fraternité sans bannière et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de la thune. Donc, mais il va être érudit et avide. Comme ça, intelligent, mais aussi. Il veut de la thune et en même temps, il est maudit. Je pense qu'on est bien et qu'on a fait notre prêtre. Allez, c'est parti, on va le retrouver en jeu. Enfin, il faut déjà sélectionner une quête, évidemment. Une nouvelle quête. Je vais voir ça. Bon vieux spectacle de magie, croisade culturelle. Oui, nickel. Adhérer à la culture. Découvrir ce que les habitants aiment dans la vie et l'intégrer à la religion péterienne. Frère Béric, prêtre péterien, je croirai ce qu'ils me diront. Alors, la religion semblait tomber en désuétude auprès de la jeunesse, et pire encore, une foire culturelle s'était invitée en ville, un événement païen tout dévoué à détourner les foules de la voie spirituelle. Mais un disciple éclairé de l'observateur pourrait-il utiliser cette foire pour raviver la foi religieuse? Ok. Ah, on a droit à un truc, un personnage secondaire. Eh ben, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu Aegon. Ah oui. Et il est que au niveau 8. Bon, il y a Jack, mais lui vient à peine d'arriver, il est déjà niveau 6. Tous les autres sont très très haut niveau et il y a très longtemps qu'on n'a pas vu Aegon, donc je vais prendre Aegon avec nous. Aider, c'est ce que je préfère. Et voilà. Et on va découvrir un nouveau lieu. Alors, on va aller voir un nouveau lieu. Donc, c'est donc l'église. Parce que, faut toujours que je me remette à jour des façons de faire dans les Sims médiévales, les Sims 3. C'est très joli, hein, avec les vitraux comme ça. J'aime bien, c'est super sympa. Il y a une petite fontaine. Examinez. Ah! Et ici, on peut pas. Aucune disponible, peut-être avec le temps. En tout cas, c'est très joli. J'aime bien. Et est-ce qu'il... Non, il n'a pas d'étage. Lui, il vit que ici. D'accord. Là, c'est le vestibule. Et ça, c'est sa maison. Il pourra manger, étudier l'observateur, machin, truc. Ok, ben c'est super. Et voilà, Béric, en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué. Ah bah oui, il est 1h45 du matin. Et tu vas effectivement pouvoir dormir. Frotter le sol et réfléchir. Auto-interaction. Ah bah heureusement ils le disent. Frotter le sol et réfléchir. Allez Béric. Oh la musique! Ah c'est trop sympa! C'est... ah ouais. Notre frère Béric. Est-ce que je le prends en photo pour la miniature quand il nettoie le sol? Allez. Je sais pas encore quelle sera la miniature, hein, bien sûr, vous avez deviné que. Oh, mais la musique est hyper sympa. Ah ouais, j'aime beaucoup. Très reposante, très zen et tout ça, donc. Béric, bienvenue dans le monde. Je suis plus lucide, j'ai l'impression d'être lavé de mes péchés. Je dois continuer. Frotter le sol et réfléchir. Encore? Allez, ben frotte le sol alors, je sais pas. Ah, j'aime trop la musique! Oh, mais les Sims médiévales, quand même, ils ont tellement bossé dessus. Mon rêve, ce serait vraiment qu'ils aient un Sims 4 médiéval. Parce qu'avec le graphisme des Sims 4 et faire aussi des quêtes aussi rigolotes et tout, ça serait tellement génial. Oh là là, mon rêve, quoi, vraiment. Allez! Ouais, il va dormir. J'allais dire. Je comprends maintenant. Les jeunes d'aujourd'hui trouvent mes sermons ennuyeux. Je m'accroche à des idées éculées. Je devrais aller à cette foire culturelle qui semble être dans l'air du temps. Bonne nuit, Béric. Et on va voir Aegon. Ça fait tellement longtemps. Ah bah Aegon, il est au château. Eh, il va. Bah, croyez qu'il peut faire crac-crac avec sa femme? Va réveiller ta femme. Notre chère Lyris, si belle, si. On va faire encore un petit bébé. Oh, il lui offre une rose, c'est trop chou. Romantique, embrassé. Ben oui, hein, ça fait longtemps que vous n'avez pas été, que vous n'avez pas fait des bisous parce que je vous ai pas pris. C'est même la dernière mission avec chère Lyris, pareil, c'était pas non plus. J'ai pas pu. On l'a pas croisé, donc on n'a pas fait le petit truc. Allez.
Moi, je veux que vous fassiez crac-crac parce que je suis un peu une obsédée. Allez, petit crac-crac qui va bien. Va faire le lit. Ah, la bitch! Vas-y, réveille-la. Allez, faire crac-crac. Mais non! Mais Shirley Ray, il serait... Ah! J'avais l'option. Ah, vous allez faire crac-crac ou quoi? Oh, c'est pas possible, hein. Qu'on ne sait une des vieux sons pas... oui, je suis des moutons. Allez! Faire crac-crac, vas-y! Allez! Est-ce que ça... Parce qu'il y a les enfants qui sont dans le coin. Bah non, ils sont où les gosses? Ils sont à côté. Ils sont là! Allez! Bon, tant pis. Ça sert à rien. Tu vas faire crac-crac? Oui, c'est pas possible. Ah! Eh ben non, elle préfère dormir. Bon, ben... Ah si, ça y est! Oh punaise, et quand même! Et elle regarde. Mais barre-toi! Non mais franchement... Bon, il est 8h24 du mat. Qui c'est qui joue de la musique, là? Casse les pieds. Ah, c'est lui. D'accord. Bon, Aegon, il a fait ce qu'il devait faire avec sa femme. Voilà. Ok, et eh ben on va retrouver Beric. Frère Beric. Et eh ben voilà, il se sustente à lui-même. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, il est maudit, c'est vrai. Pauvre chou. Allez à la foire culturelle. Bon, tu manges. Et après on y va. Ah, alors tu dois faire quoi? Faire un sermon simple et prier avec deux pétériens. Ok. Ça va être encore des nouvelles trucs qu'on va voir, on va découvrir avec ce nouveau Sims. C'est un endroit intéressant. Je ferais bien de passer un peu de temps ici. D'accord. Alors, ça alors, je me demande bien ce que c'est que tout ça. Pas un symbole religieux en vue. Je devrais au moins consacrer l'eau du bain public avec de l'eau bénite. Cela aiderait à purifier certains d'entre eux. Du moins, ceux qui se lavent. Oh, c'est dégueulasse. Examinez. Il faut quoi? Que tu fasses bénir l'eau du bain de la foire. Bénir le puits. Alors, le bain de la foire, c'est où? Ah, c'est là? C'est ici. Alors. Frère Beric a réussi à sacrer le puits. Voilà qui est un peu mieux, mais je ne dois pas en rester là. Je vais demander à Aegon d'améliorer mon prochain sermon pour lancer un appel à ma congrégation. Maître des affublements. Ok, très bien. Demande à Aegon d'augmenter la fréquentation des offices. Alors, tu vas demander à Aegon. Allez, on est parti. Aegon, il va être papa dans quelques minutes, de toute façon. Encore une fois, j'imagine. On va voir si c'est un garçon ou une fille. Hein. J'espère qu'il sera blond. Comme sa maman. Je vais faire de grandes promesses aux habitants de cette ville, à vous d'assurer. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment Aegon-le, chevalier capitaine, devrait-il promouvoir le serment de Beric? Je vais enjoliver ma description pour émoustiller les gens. Une description sans fioriture devrait faire l'affaire. Non. Je vais les émoustiller un peu. Je vais exagérer juste un peu, c'est pour la bonne cause. Ok. Donc lui, il faut qu'il aille faire un battage autour du serment auprès des habitants. Très bien. Tu vas aller donc sur la place publique, comme d'habitude. Où c'est là? Oui, c'est là, hein, avec le puits. Tout. Tu vas aller ici, mon petit. Oh, puis c'est vrai, il faut que je fasse tout leur truc, là. Oh là là. C'est compliqué dès qu'on a deux personnages. C'est toujours un peu plus chaud pour... Alors, toi, dire au revoir, chevalier, chevalière, amical. Je suis sûre que je peux pas faire parce que maître des livres... Ouais, voilà, font partie du truc maître des alcools. Ok, on va aller voir Ada. Faire un battage autour du sermon. On va aller voir lui. On va aller voir Jack. Et on va aller voir Silénie, la maîtresse d'école. Allez. Félicitations au niveau 9 pour Aegon. Vous avez entendu ça? Frère Beric va faire un sermon sur le crac-crac et il y aura des finus partout. Ah, le bâtard. C'est pas du tout ça. Quoi? C'est scandaleux. Je crois que je vais aller voir d'ailleurs. Je vais aller voir ailleurs. C'est n'importe quoi.
Allez, fais de la pub. Parce que là, tu l'as même pas fait. Frédéric va faire un sermon qui garantira aux fidèles une vie après la mort. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Mais oui, bien sûr. Vraiment? Je viens juste de tuer... j'ai fauté. J'aurais bien besoin d'un billet pour le royaume éternel. Frédéric va apparemment faire un lâcher d'abominables chinchillas dans l'assistance pour son prochain sermon. Personne n'est au courant. Mais nawak! Il faut que je vois ça. Peut-être que le connétable viendra l'arrêter. Il t'en reste combien à faire? Il t'en reste un. Alors tu vas le faire à elle parce que tu l'as pas fait. Frédéric vient de se faire décapiter par la bête dans la fosse. Sa tête a parlé et elle a dit qu'il reviendrait faire un utile sermon. Ensuite, elle a cligné de l'œil. Mais c'est n'importe quoi. Et elle a fait un clin d'œil. J'espère qu'il reste de la place sur les bancs. J'ai fait mon travail. Frédéric doit maintenant faire son sermon pour connaître les goûts de la jeunesse. Mais c'est nawak. Oh là là. Oh, c'est un pétir, salut. Acheter des objets artisanaux. Non. Alors, tu dois faire quoi? Là, tu dois faire un sermon sur le déclin de la foi. Et faire un sermon simple et prier avec deux pétériens. Tu vas rentrer à la maison déjà. Voilà. Ça va te faire du bien. Ah, bah, y a du monde! C'est trop cool! Alors, tu vas faire un sermon simple. Qu'est-ce que je dois faire ça? Définir l'heure du sermon. Il est 16h. 18h, voilà. On va faire un sermon à 18h. Tu vas examiner, tu vas écrire, étudier l'observateur, je sais pas, tu vas. Pétir et chevaleresque, oui. Tant mieux. Ah, la musique, elle est trop cool. C'est qui lui? Le frère Dominique. D'accord, demandez comment ça va. Et ça, c'est le fils d'Aegon. Qui fait joujou dans l'eau. Ah là là. Bon, au moins il fait un peu ça. Il se sentira bien. Voilà, terminer un livre, fascination, l'observateur est proche, sommeil réparateur. Discuter la situation du royaume. Il faut qu'il prie avec des pétériens. Alors, comment on fait? Prêter ce pétérien. Prier avec. Ah, d'accord, on va prier avec. Hop, et prier avec. Bon. Il n'y a peut-être pas assez de temps pour prier avec, parce qu'il y a le sermon qui est à 18h. C'est ça que tu pries comme ça? Ah, ils prient comme ça, eux. D'accord. Oh, ça fait des... Oh, c'est trop beau! Ça fait des... Ah, oh, c'est trop beau! Ah non, franchement, c'est super cute! Oh là là, je suis impressionnée. Si seulement je pouvais faire une photo sans Ada, ça serait parfait. Oh... Vous la voyez ma miniature ou quoi? Ok. Tu vas pas... Non, tu vas faire ton sermon, Coco. Faut que tu fasses ton sermon. Faire un sermon. Elle est ordinaire. Inspirant. Voilà. On va avoir du monde qui va venir chez nous. Faire des sermons est une tâche essentielle dans la vie d'un dirigeant de l'église. Souhaitez-vous en savoir plus? Non. C'est quoi ça? Le problème, c'est qu'il a le truc maudit, là. C'est chiant. Mais j'adore la musique, quoi. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais moi, je l'entends bien dans mon casque. Elle est parfaite. Ah ouais. J'aime beaucoup. Bon, il y avait du monde, mais ils se sont tous barrés un peu, quand même, hein. Eux, ils font mumus dans les trucs. Alors, c'est inspirant. Et après, tu vas faire humoristique. Oh, ils sont pas contents, je crois. Hey, j'arrive plus à savoir où il est. Mais excusez-moi. En fait, ils sont pas contents, c'est ça? Oh, ils sont en train de se battre. Maintenant, on va le faire sombre. Voilà. Le sermon prononcé par Farberic a été bien accueilli et l'église a reçu 55 simflous de dons. Ok. C'est chiant, le maudit, là. Concentration, moins 10. Prier avec deux pétériens. Ok, on va prier avec elle. Convertir à la religion pétérienne.
Tu vas essayer de la convertir. On va voir comment ça fonctionne. Mais c'est trop marrant là. J'aime bien comment il prie. C'est rigolo. J'essaie de voir. Voilà. Hein, excusez-moi, hein, j'ai une miniature à faire. Hein. La meuf. Ok, allez. Je pense que Aegon, lui, n'a pas fait. Non, il n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. Ah, il faut qu'il chasse de l'ours dans la forêt et garder l'entrée de la forêt. Ok, Aegon, tu vas y aller tout de suite, maintenant, la forêt. Voilà, tu vas chasser et garder l'entrée. Voilà. Ferberic a converti Laurie, la vendeuse de fleurs, à religion péthérienne. Ah, oh, c'est cool! Tu vas aussi convertir Ada. Super, voilà, tu as converti deux personnes. Faire un sermon sur le déclin de la foi. Mais tu devais déjà pas le faire. Ah mince, c'est la fin. Je pensais qu'il devait le faire sur le sermon de la foi. Ok, bah, écoute, tu vas faire à manger. Un bon petit gruau des familles. Alors, Kagon, le chevalier capitaine, avançait dans la forêt. Il entendit du bruit dans un buisson à proximité. Une bête s'y cachait sûrement. Inspecter le buisson. C'est probablement qu'un animal. Lancer des pierres. Allez, on va lancer des pierres. Aegon lança quelques pierres dans le buisson et plusieurs cailles en sortirent. Malheureusement, il était trop loin et ne parvint pas à en attraper une seule avant qu'elle disparaisse dans la forêt. Heureusement, personne n'avait seulement un fiasco. Mais... À qui le dis-tu? Prier avec deux péthériens. Ah, mais oui, ce qu'ils sont pas péthériens. Oh là là, Aegon suivit un ours noir dans la forêt jusqu'à son terrain de chasse, le prenant surprise, et réussit, à l'aide d'une seule flèche, à abattre l'amateur de miel. Il découpa ensuite quatre morceaux de choix sur la carcasse de l'animal. Très bien. Faut que tu pries avec des péthériens. Je m'ai gouré. Ouais. Faut que tu pries avec elle. Voilà, vous priez ensemble. Et tu vas prier avec elle aussi. Je crois qu'elle est convertie, elle. Je sais plus. Aegon, le chevalier capitaine, se promenait dans la forêt lorsqu'il entendit un chant et des percussions au loin. Avançant furtivement à travers les broussailles, il discerna une multitude de grands elfes bleu marine dansant autour d'un arbre blanc radieux. Superbe! Les espionner et l'abattre. Non! C'est un arbre à cristal opalin, si les contes de bonne femme disaient vrai. Ceux-ci poussaient uniquement dans les terres sèches et alcalines, recelant du mithral et des cristaux magiques. En abattant cet arbre, Aegon, le chevalier capitaine, sans parler de... Non, non. Non, non, si c'est les elfes et tout machin. Non, je n'y touche pas. C'est un incroyable coup de chance. Les elfes bleus étaient les elfes les plus farouches et insaisissables. Personne n'avait jamais pu assister à l'une de leurs cérémonies religieuses. En se cachant dans les fourrés, Aegon, le chevalier capitaine, verrait probablement ce qu'il s'apprêtait à faire. Peut-être même que les elfes allaient laisser une relique derrière eux. Ok, alors Aegon avança lentement et observa la cérémonie sacrée des elfes bleus autour de l'arbre radieux. Après avoir chanté des prières aux esprits de leurs ancêtres, ils partirent en silence et l'arbre devint terne. Encore sous l'enchantement de la scène sylvaine, Aegon avança et serra l'arbre dans ses bras pour lui dire au revoir, puis se tourna pour partir, mais il se cogna l'orteil sur une petite et lourde pierre. Des pierres de mana, s'exclama-t-il avant de rassembler quelques autres. Super! Donc il a fait Préterium. Ouais, il faut qu'il convainque encore quelqu'un d'autre. C'était la Laurie là. Non, c'est Sylénie. Bah, écoute, tu vas la convaincre en faveur de l'observateur. Mince. Est-ce que toi t'es convertir à... Bah non, alors du coup. Ouais, tu vas prier avec elle. Je sais pas si c'est celle-là qu'on avait convaincu. C'est bon! Wouh! Et lui, il les a ratés. Tant pis. Béric, tu as fait du bon boulot pour ta première journée de prêtre. Je suis ravie. Hop, tu vas pouvoir faire un bon dodo comme il se doit. Et on va rejoindre Aegon. Aegon, il est fatigué. Je vais juste aller voir si sa femme a du bidou ou pas. Bon, ça se voit pas trop. Elle se dispute avec Anaclet. Romantique, jouer à la sérénade. Si, regardez, elle est enceinte! On va encore avoir un bébé. Ah, oh, c'est trop mignon.
Toucher le ventre. Bah oui, encore un petit bébé. Un bébé royal. C'est trop mignon. Romantique. Embrasser. Voilà. Bon, il est très fatigué, donc bah, tu vas aller dormir. Ce sera toujours ça de fait. Et alors, fais voir tes trucs. T'en as, toi, des trucs dans ta... Oh, punaise! T'as même un espadon, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, ah oui, qu'il avait pêché le ouf et tout. Chapeau grenouille. Non, c'est bon. Allez, il va dormir les frais de sa femme. Et on va bientôt avoir un petit bébé qui va pousser. On a hâte de voir ce que c'est. On a hâte de voir ce que c'est. La 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 la. Allez, on retrouve notre ami Godefroy l'acolyte. Chère Valentine. Ok, tu vas te faire à manger, Coco. Tu vas te faire un gruau. Ça, tu seras en forme. Ah, mais c'est une petite fille que nous avons eue avec Aegon. Eh bien, c'est parfait. On va l'appeler. Un prénom targaryen. Parce que Viserys et Daenerys, c'est la logique même. Un prénom targaryen féminin. Ah, mais j'en ai quelques-uns, mais je suis pas. Oh, bah non, c'était une Martell, celle-là. Elia Martell. Rhaenys. Allez. Je suis pas sûre de. Si, c'est très bien, on va l'appeler Rhaenys. Voilà. Mais mange, Coco, tu te fous de moi? Tu vis Rada, c'est pas chez elle ici. Hein. Alors, il y a du monde dans l'église maintenant quand même. Alors, il faut que tu fasses quoi? Étudier l'observatoire pendant 2 heures et accorder la faveur de l'observateur à quelqu'un. Tu vas l'accorder à elle déjà. Très. Blaguer sur la pauvreté. Qu'il est bête. Non, on s'en fout. Faveur de l'observateur. Ah ouais, mais il faut qu'il soit debout en fait. Mais tu vas étudier l'observateur. C'est quoi ça? Examiner. D'accord. Tu vas étudier l'observateur pendant 2 heures. Donc tu vas le faire, voilà. Faut que tu fasses ton fameux discours là. Je sais pas trop comment on fait, mais. Et que tu accordes la faveur de l'observateur, voilà. Ça c'est fait. Voilà, la faveur de l'observateur. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ah ouais, c'est super sympa! Ok, lui il a fait ses trucs maintenant. Faire un sermon sur le déclin de la foi. Allez, on va le faire à 13h. Tu vas prier. J'adore la façon de prier. Ok, nickel. Révélation de l'observateur, on est ok. Son truc il commence, tu vas venir là. Tu vas examiner. Ah, mais c'est là! Oh là là, c'est pas grave. Ordinaire, non, tu vas le faire inspirant. Voilà. Pendant ce temps-là, Aegon, il doit faire nourrir la bête et entraîner un cygne pendant 2 heures. Alors, Aegon. Tu vas entraîner un Sims pendant 2 heures. Je suis pas sûre que. Très. Entraîner un Sims pendant 2 heures. Tu peux. Déjà, on va aller voir. On va aller nourrir la bête. C'est déjà toujours ça de près. De fait. Pas de près. Qui elle est où? Allez. Tu vas venir ici. Tu te dépêches, s'il te plaise. Bienvenue, mes frères et sœurs. L'église pétérienne a un problème. J'ai un problème. Vous vous éloignez de la foi. Car je suis en train de m'éloigner de vous. C'est pas cool. Je ne sais pas ce que vous aimez lire, faire ou porter. Je ne sais pas où vous aimez boire. Maintenant que j'ai capté leur attention, je dois choisir un moyen de découvrir leurs aspirations. T'es où, Aegon? Il est là? La bourrelle. Attaque furieuse. Tu se bat. Je lui ai pas demandé, mais bon, c'est pas grave. Tu vas nourrir la bête. Je veux assimiler votre culture et mieux vous connaître. Je vous aime tous. Aidez-moi à atteindre ce but.
En tout cas, tu fais ça. Moi, je vais retourner avec Béric parce que là, il a besoin de moi. Mais tu le fais plus ton discours? J'ai rien compris, moi. Alors, comment frère Béric doit-il deviner les souhaits de la congrégation? Je vais me mélanger à eux et les faire parler sur leurs désirs. En tant que chef spirituel, je devrais pouvoir me servir de la prière pour accéder à leurs désirs. Tu vas te mélanger. Il n'y a pas meilleur se renseigner sur les goûts, se renseigner sur les goûts et se renseigner sur les goûts. Allez! J'ai trouvé la solution. Je vais leur demander à chacun ce qu'ils aiment et désirent dans la vie. Ne le prenez pas mal, mais les robes prépétariennes sont vraiment démodées. Nous aimerions avoir quelque chose de plus élégant, de le style et création du maître des affublements. Ah, d'accord. Allez, Ada. Mais Ada se renseigner sur les goûts, et lui aussi se renseigner sur les goûts. Alors, félicitations, Anivan. Super. L'alcool fort est très à la mode. C'est ce que boivent tous les gens en vue de nos jours. Ok. Vas-y, va demander à lui. Savez-vous que l'éclairage influe sur les humeurs? Par exemple, les lumières de votre cathédrale me donnent l'impression d'avoir un goitre. N'importe quoi. Ah, sur 4. Alors, vas-y, tu vas te renseigner sur à elle. Voudriez faire des sermons plus intéressants. En général, je m'endors quand je les écoute. Sympa. Maintenant que je sais ce que désire ma congrégation, je devrais parler à Aegon, le chevalier capitaine. Je vais à nouveau avoir besoin de son aide. Allez, demander de l'aide sur la mode religieuse. Et toi, tu fais quoi? Ah! Chevalier, s'entraîner au combat. Chevalier, s'entraîner au combat. Alors, pour le reste, je ne sais pas, mais j'en connais un rayon sur la mode. Il suffit de me regarder pour s'en convaincre l'autre, n'importe quoi. Je créerai le style qui correspond aux attentes de votre congrégation. D'ici là, vous pouvez aller parler aux autres maîtres à la foire. Ils vous aideront certainement à combler les désirs de votre congrégation. Ok, lui, allez chercher les soies élégantes au village. D'accord, qu'est-ce qu'il a? Fatigue musculaire. Et frère va parler, hop, parler au maître des livres et parler au maître des alcools. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? L'alcool résout tout. C'est tellement un raccourci facile. Mais pour que ça, mais c'est pour ça que votre congrégation l'aime tant. Je vous aiderai, mais ce ne sera pas gratuit. Maître des livres et donner 100 simchlous, je pense que. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ouh là là, t'es vieille. T'es vieille et t'es moche. Je peux vous donner un conseil. Depuis l'avènement de la presse à imprimer, tout le monde publie de nos jours. Vous devriez en écrire un. Ok. Alors, écrire un livre sur le culte pétérien réformé et donner 100 simchlous au maître Jacob pour l'aider. Pour l'aider? Allez, donne 100 simchlous. Ah, l'odeur de l'argent. Dites-moi quelle marque d'alcool vous voulez et vos problèmes seront réglés. Et écrire un truc. Lui, il doit aller chercher des soies au village, mais il doit aussi entraîner encore quelqu'un pendant 4 heures. Ça va être chiant. Et je suis pas sûre que. Rentre chez toi. Rentre chez toi, sinon ça va poser problème encore. T'es chez toi là? Ah mais il habite là maintenant? Bon, j'en sais rien. La dernière fois il était dans sa petite, dans son petit truc là. Et, mais j'ai rien pour m'entraîner ici. Il n'y a pas de truc pour s'entraîner. Qu'est-ce que tu veux t'entraîner là, toi? Entraîner quelqu'un? Ça va pas être possible, hein? Très. Confier ses inquiétudes. Bébé pleurnicheur. Si rien ne calme le bébé, éloignez-vous-en le plus possible. Il est là, notre enfant. Câliner le bébé. Surtout en armure, ça doit être tellement. Ah, ça, vas-y, on va aller regarder sa tronche. Hein. C'est comme pour pétir. Hein. Nous, on veut regarder la tronche des gosses. Alors, cette petite fille. Nierk. Nierk. Ah putain, c'est tellement compliqué. Voilà. Oh, ça ressemble pas à grand-chose à cet âge-là, hein, de toute façon. Bon, il faut qu'il s'entraîne. Ok.
faut qu'il entraîne quelqu'un. Ça va pas être possible, hein. Mais lui, il devait pas être dans sa tour. C'est ici, normalement, chez lui. Regardez à l'intérieur. Voilà. Entraîner quelqu'un. Vas-y. Bah, y a rien, y a personne. Mais tu peux venir ici. Allez, ici. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Il est reparti? Bah, écoute. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Bon, c'est pas grave, il fera pas ses obligations. Lui, ça va pas très bien, frère Béric. Hein. Bon, il est parti se coucher. C'est au moins ça. Mais il va crever de faim aussi. Non, lève-toi, tu vas manger. Tu dormiras mieux avec l'estomac rempli. Promis. Allez. Voilà, il a négligé ses responsabilités. Bah ouais, mais c'est chiant au bout d'un moment. Alors, quel type d'alcool fort, frère Béric, devrait-il fournir? Je vais utiliser une marque que les gens connaissent déjà. Si je crée ma propre marque, les gens apprécieront. Ouais, on va créer sa propre marque. Il faut convaincre les jeunes d'aujourd'hui que l'église pétérienne est d'un coup. Je vais lancer ma propre marque d'alcool fort. Hé hey! Baril d'alcool foi de l'Ecclésiaste Béric. N'importe nawak. Oui, écrire un livre sur le culte pétérien. Ok, tu le feras. Réunice va bientôt grandir. Ah, cool. On va voir à quoi elle ressemble, hein. J'espère qu'elle sera une petite blondinette comme sa mère. Alors, tu vas m'écrire ce livre. Plus vite que ça. Chapitre 1. Il était une fois. Il regarde en l'air quand il écrit son livre. C'était un excellent début. Encore une séance et le livre sera terminé. Terminé d'écrire. Voilà. T'es en forme là. Profites-en. Fini l'âge du berceau. Oui, elle est blonde. Trop bien. Rénie, c'est devenue une adorable petite fille. On va aller la voir de plus près. Voilà une coupe de cheveux de merde. Mais elle ressemble beaucoup plus à sa maman. Donc c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Une petite blondinette dans la famille. On retrouve Béric qui fait visiblement la gueule. Bon, j'ai maintenant plusieurs copies de mon nouveau roman, L'immersion spirituelle, plus une copie que je garde pour moi. Ok. Lire l'immersion spirituelle, d'accord. Et ici, c'est la pile d'exemplaires. Okay. Donc, il faut qu'il paye ses impôts et convertir de nouveaux pétériens. Est-ce que vous pouvez... Il peut pas pétériser... Tiens, tu vas... convertir à la religion. Voilà, ça en fera une. Ah, et il y a elle, tu vas la convertir aussi. Allez. Voilà, ça fait une obligation de fête et on va... Oh, mais c'est vraiment trop cute, hein, l'endroit quand même. Oh, c'est vraiment super joli. Ah, c'est une boîte à messages, tu vas payer tes taxes. Mais tu vas payer tes taxes, j'ai dit. Au moins ça c'est fait. C'est moins compliqué à faire. Je vais le laisser faire sa life. Et Aegon, qui est en train de dormir sur un banc, évidemment, il va aller acheter du tissu. Ouais, il est très fatigué et il faut qu'il mange. Va te détendre. Non, va dormir ici plutôt. Va dormir là, ça ira mieux. Voilà. Là, tu vas te requinquer. On va faire remonter à la moitié, puis tu feras à manger aussi. Histoire 2. Ah, voilà. Allez, vas-y. Tu vas faire une soupe d'anguilles. Ça ira mieux. Voilà. Tu dois chasser dans la forêt et discuter des affaires étrangères avec le chef de territoire. Vous faites chier. Ah, allez, vas-y, tu vas me faire ça. Victoire, d'accord. Voilà, blablabla. Ça c'est fait. Tu dois chasser dans la forêt. Bon, avant on va aller au village, hein, parce que ça, on va jamais y arriver, sinon on va jamais avancer. Quand même la quête qui est trouver des soies stylées. Trouver des soies stylées. Oh, c'est le style. Alors, regardez ces orchidées. Une esthétique mature mais distinguée qui dégage même quelque chose de sensuel. Je vais m'en inspirer pour créer les tenues. Non mais depuis quand un chevalier fait son styliste. Franchement, c'est n'importe quoi. Voyons voir. Les meilleures soies proviennent du verre à soie. Parfait, ces rouleaux de soie sont complètement dans la tendance. Non, mais
Nawak. Ouais, Aegon, tu vas revenir avec. Hop là, je vais aller à la foire pour demander au maître des affublements de me faire des vêtements à la dernière mode. Et c'est celui-là. Hop! On va les regarder de plus près. Je ferai des vêtements si somptueux qu'ils donneront envie de croire en l'observateur. Revenez les récupérer dans 2 heures. Donc maintenant, tu vas attendre. Et pendant ce temps-là, on va aller chasser dans la forêt. Ouais, on est content. La forêt, elle est où déjà? Elle est là-bas. On va aller ici. Tac. Et tu vas aller chasser comme d'habitude, parce que c'est bien connu, quand on est un chevalier, on passe son temps à chasser dans la forêt. Il arrive, il arrive. Hop là. Il est parti chasser. Reste 2 heures. C'est bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Aegon expédia dans l'autre monde un daim qu'il avait traqué dans la forêt. Après avoir rapidement et proprement vidé l'animal, et rentra avec 3 morceaux de venaison de son premier choix. C'est bon, oui, il a enfin fait ses obligations de la journée. Ah, ça c'est cool, le travail bien fait. Ouais, vas-y, tu peux rentrer chez Watt. Ça, c'est bien. Les vêtements devraient être prêts maintenant. Oui, tu vas aller les chercher. Bon, bah, tu te balades comme ça dans la ville, dans le village, c'est bien aussi, hein. Alors, tu vas récupérer les fringues. Ouh, c'est joli. Merci bien. Vous vous attendiez à quoi? Je les ai baptisés robes de fidèles. Je vais garder le reste de cette soie magnifique comme paiement. J'ai des chaussettes à fabriquer. Ok, tu vas donner les paquets de robes de fidèles à Beric. Magnifique, j'ai hâte de voir tout le monde porter ces robes de fidèles. Je vais les donner à Beric. Coucou Beric! Merci. Et lui, il va devoir faire quelque chose. Ouh là là! Ah! Mes yeux sont frappés par une vision de beauté religieuse. Ses robes sont magnifiques. Et lui, il va donner, distribuer les livres de l'alcool et des robes aux fidèles. Alors tu vas, hop, tu vas donner tout ça à tout le monde. C'est la fête à Neuneu. On donne tout. Alors, vous avez changé, Béric. Je peux vous appeler Béric? J'adore notre. Oh, t'es sérieux? C'est dégueulasse, oui. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais va le donner aux gens. Donc la bête, elle crie. Alors, non mais, on va regarder la gueule du. Ouais, il est fatigué en fait. Ouais. Ouah, depuis quand vous fabriquez de l'alcool? Je vais emballer ça dans un grand sac. Excellent. Hop, tu vas donner la suite. À Ada, notre chère Ada. Ouah, ces robes donnent vraiment du style à la religion. Tu te changes ou tu te changes pas? Non? Hop, tu vas donner une robe de fidèle à je sais plus qui là. Puis après, tu vas tomber dans les pommes, ça va être fameux. Alors. Bon, il l'aura pas fait. C'est pas grave, mais là, il est fatigué, il va tomber dans les pommes. Qu'est-ce qu'il a? En tout cas, elle a un look de merde. Ah, ils sont en train de se battre! Non, mais ils sont pas. Allez! Va dormir. Ah, la gueule des. C'est immonde! Qu'est-ce que tu. Ah, c'est du style ça, Aegon! T'es pas le meilleur des stylistes hein, quand même, hein, je tiens à te le dire moi. Bon, là, il dort. On va le laisser récupérer un peu quand même. Bon, il est 9 h du mat, ça y est, il a de nouvelles responsabilités. Est-ce que lui, il doit faire s'entraîner à stratégie militaire et provoquer un duel? Allez, tu vas provoquer un. Duel, voilà, on te laisse faire. On est quand même plus focus sur Beric qui est quand même notre principal, notre personnage principal, en tout cas vu qu'il est nouveau, donc on va s'occuper de lui quand même. Ah, il est maudit ce matin, ouais, ça va être chiant. Tu vas te laver aussi, tiens, après. Ça te fera du bien. Tu vas étudier l'observateur un petit peu. Ah, tu faut que t'écrives. Bah, tu vas écrire avec l'observateur, allez. Et après, tu vas donner le reste. Ça va te faire du bien. Même si t'es maudit. Allez, go! Tu vas donner les trucs à la dernière personne. Vous avez écrit ce livre, je ne sais pas lire, mais du coup, je vais apprendre. Ok. Et accorder la faveur de l'observateur à quelqu'un.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin, à part elle? Accorder la faveur. Ouais, il n'y a personne, hein. Bien sûr qu'on a besoin des gens. Hein? Il n'y a personne, tu vas rentrer. C'est pas grave, tu rentres, il y aura du monde à l'église. Mais tu la suis, t'es un stalker un peu, Béric, non? Tu vas accorder la faveur à elle. Allez, hop, faveur de l'observateur. Je crois qu'il est temps de faire un autre serment pour voir si j'ai bien assimilé la culture actuelle et consolidé la foi du peuple. Tu vas définir l'heure du serment. Il est 15h46, on va faire 18h. Faire le serment sur le culte païen. Ok. Tu vas mettre ta nouvelle robe péterienne. Il est où? Oh! Mais dis donc! Mais ça, c'est joli, mon petit Véric! C'est très sympa. Est-ce que tu peux, par contre, cueillir des fleurs et tout le merdier? Non, tu peux pas. Parce que pour faire à manger à part du gruau, qui te ferait du bien, évangéliser, qu'est-ce que ça fait? Ah! Ah, c'est sympa. Mais ça, il va être à fond, hein. Il va être concentré. Allez, tu vas faire ton sermon. Hop, allez. Ah mince! Allez, va faire ton truc parce que là, il va y avoir. Voilà, il y a du monde avec son bouquin. Allez, tu vas évangéliser les gens. Non, tu vas pas évangéliser, mais tu vas les convertir. Bienvenue, mes amis. Vous êtes magnifiques aujourd'hui. Oh, lui, il pète! Oh non, je crois que ça fonctionne apparemment, ils sont attentifs. Ouais, pas trop, hein. Personne n'est endormi sur les bancs aujourd'hui. Cool. Oh, joli. Joli. Le peuple adora le nouveau style de Béric et sa nouvelle façon de faire des sermons. L'église péterienne était devenue plus forte et la foi avait fait son grand retour à Chabit. Ah, merci à tous d'être venus. Je sens que les liens de la foi sont désormais plus forts entre nous. Ensemble, nous allons faire de ce monde un monde meilleur. Eh ben, c'est super! Est-ce qu'on a fini la mission? Nous avons fini la quête. Croisade culturelle, l'église péterienne était devenue plus forte et la ferveur religieuse était de retour à Chabit. Il est monté quand même directement au niveau 4. C'est pas mal, hein. Félicitations, Béric atteint niveau 4 de la profession prêtre péterien. Eh ben, c'est génial! Eh bien, moi, je vous remercie en tout cas d'être là et d'avoir suivi cet épisode des Sims médiévales. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain, samedi prochain, évidemment. On va continuer avec Béric, parce que c'est sympa d'avoir un nouveau personnage, on découvre des nouvelles choses. Moi, je vous embrasse très fort, et donc je vous dis à samedi prochain pour la suite des Sims médiévales, ou pour autre chose comme les Sims 4. Allez, salut!